Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour un banc d'essai sur le F7CM Super Hornet de Star Citizen, la variante biplace et lourdement armée du Hornet que tout le monde connaît depuis la révélation de Star Citizen. C'est vraiment un des vaisseaux phares du jeu, c'est limite le X-Wing de Star Citizen, le Hornet. Donc la variante biplace Super Hornet qui est un petit peu plus longue, un tout petit peu plus lourde, mais qui globalement reste vraiment similaire à la variante de base F7C Hornet. Donc on va un petit peu parler de cette variante. Avant de commencer, je souhaite remercier Vagern et Avalon qui m'ont prêté gracieusement leur Super Hornet pour que je puisse un peu tester cette variante de long en large. Donc merci à vous, c'était vraiment sympa. J'ai utilisé vos vaisseaux pour enregistrer cette vidéo avec le banc d'essai et la vidéo de gameplay de demain. Donc commençons. Le Super Hornet, est-ce que c'est si différent du Hornet? Eh bien pas vraiment, non. Le Super Hornet est extrêmement proche du Hornet de base en termes de pilotage. C'est vraiment le même vaisseau quasiment. On a un tout petit peu plus d'armement, mais c'est pas non plus transcendant, hein, la différence en armement par rapport au loadout du F7C Hornet qu'on avait avant, parce qu'en fait le loadout qu'on avait avant était plus proche de la version militaire, F7A, que de la version civile, F7C. Or, la version militaire a des Gatling sous les ailes et la version civile n'en a pas. Avec ce Super Hornet, on n'a pas de Gatling sous les ailes. On a uniquement donc 2 paires de canons M4A laser. On a 8 Dominator. On a 2 CF-117 Badger et 2 CF-007 Bulldog. Donc voilà les canons à peu près. Principalement donc on a 6 canons, on va dire 6 canons automatiques qu'on peut utiliser de manière on va dire détachée de l'orientation du vaisseau. Hein, on peut vraiment commander les canons avec la souris. Grosse puissance de feu donc de face. C'est vraiment un vaisseau qui a une puissance de feu vraiment impressionnante. Là-dessus, si vous faites face à un Super Hornet, ou même à un Hornet de base, hein, vous êtes déjà au courant si vous avez déjà fait un peu d'Arena Commander, si vous êtes face à un Super Hornet, vraiment faites attention parce que les dégâts de ces canons utilisés tous ensemble sont vraiment impressionnants et ça permet vraiment de détruire les cibles à une vitesse assez incroyable. En Vanduul Swarm, vous allez voir dans la vidéo les pauvres Vanduul Scavengers, que ce soit les Vanduul Scavengers, les Hunters ou même les Alpha, ils se font des pops vraiment en... C'est une question de secondes quand ils sont dans vos mires. C'est extrêmement violent, donc le Super Hornet, c'est vraiment le même feeling que le Hornet. C'est pour ça que ce banc d'essai ne va pas être très long. C'est que j'ai eu pas mal de demandes me disant « Ah, faudrait que tu testes le Super Hornet, c'est une variante qui est lourdement armée, ça doit être bien différent. » Eh bien non, vraiment pas tant que ça. C'est toujours le bon vieux Hornet qu'on connaît, bon degré de finition là-dessus, les effets, le pilotage est très clean. On se croirait vraiment dans un Hornet, hein. On peut même pas faire la différence entre les deux, hein, quand on est dans le cockpit. C'est uniquement quand on regarde le vaisseau de l'extérieur qu'on a cette deuxième place. Évidemment, on ne peut pas prendre de joueurs alliés avec nous dans le chasseur parce que le système de vaisseau à équipage multiple n'a pas encore été intégré. C'est comme pour le Cutlass, le siège derrière vous est vacant, personne ne peut s'installer dedans. J'imagine que la personne qui pourra s'installer dedans dans le futur pourra peut-être contrôler une tourelle, enfin la tourelle sur le dessus du chasseur, ou peut-être gérer, je sais pas, des communications ou des... Je sais pas vraiment comment ça va se passer pour les on va dire les... entre guillemets les mini-jeux qu'auront les membres d'équipage qui seront attribués à des systèmes un peu particuliers du vaisseau, mais là-dessus, bah, on n'a pas plus d'infos pour le Super Hornet. C'est en gros, c'est juste un Hornet un peu plus long et avec un peu plus d'armement en fait, on va dire en loadout par défaut. Donc voilà, globalement c'est vraiment un Hornet. J'ai vraiment rien de plus à dire. Malheureusement, j'aurais aimé vous en dire plus, mais c'est juste un gros Hornet. Vous pouvez aller très loin en Vanduul Swarm avec ce vaisseau, avec la puissance de feu qu'il a, c'est assez violent. Vous pouvez aussi vous amuser avec les loadouts si vous avez beaucoup de vaisseaux. N'hésitez pas à tester plusieurs équipements. Loadout, c'est équipement, hein. Depuis tout à l'heure j'utilise le mot loadout, mais je devrais dire équipement. Vous pouvez utiliser différents canons. Personnellement, je me suis essayé à faire une variante assez sympa où en fait j'ai fixé les lance-roquettes du Mustang Delta sur le nez de l'appareil, et c'est assez sympa. Au final, le Super Hornet donc garde 2 paires de canons, donc c'est quand même pas mal niveau puissance de feu, et en plus de ça vous avez des roquettes à tirer de manière manuelle qui sont assez difficiles difficiles à utiliser mais qui à courte portée vous permettent de one-shot des chasseurs, donc c'est quand même assez violent, mais c'est très très difficile de viser avec, hein. Vraiment il faut prendre le coup de main et ça vient pas comme ça. Donc bon, écoutez, globalement voilà. Ah si, aussi juste avant de terminer ce petit banc d'essai, le Super Hornet donc a des Dominators. Il a 8 missiles Dominator, donc c'est un bon nombre de missiles quand même, c'est assez sympa. Ils fonctionnent différemment de ceux du 325A. Avec cela, vous pouvez lock beaucoup plus rapidement les cibles et vous pouvez tirer de beaucoup plus loin. Mais, encore une fois, ils sont vulnérables aux leurs. Donc là-dessus, c'est quand même des missiles qui sont très efficaces. L'acquisition de la cible est très très rapide et ils vont directement droit au but. Vraiment, ils sont assez rapides et c'est quand même de bons missiles. Mais ils ne vous permettent pas de faire des locks multiples, à l'inverse des missiles du 325A par exemple, qui sont des Stalkers, alors que là ce sont des Dominators. Mais je vous ferai une vidéo sur les missiles pour vous détailler un petit peu tous les missiles actuellement dans le jeu qui ont été intégrés avec la version 1.0 de l'Arena Commander. Vous verrez, il y a pas mal de choses, c'est très intéressant et il y a certains missiles qui sont vraiment vraiment badass. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce Super Hornet qui est... juste un gros Hornet. On va résumer ça comme ça, c'est rien de transcendant. On va voir si le gameplay de ce vaisseau changera quand on aura la possibilité d'inviter un ami dans le cockpit, mais pour l'instant... c'est juste un gros Hornet. Donc voilà, écoutez, j'ai bien tout dit, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser ici, comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup sur le référencement YouTube, ça m'aide à tout simplement être plus connu sur YouTube et à faire en sorte que plus de personnes découvrent la chaîne. Donc c'est toujours une bonne chose quand vous laissez un j'aime sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, j'ai tout dit, moi je vous laisse ici, je retourne un petit peu faire de dogfight. Je vous reverrai la prochaine fois, gardez la tête dans les étoiles, citoyens.